Et Ohayo Minasan, c'est Kensho, et aujourd'hui on se trouve sur Fallout 4 pour continuer mes aventures. Donc voilà, alors, Ada. Hey. En quoi puis-je vous aider? Alors, en quoi puis-je vous aider? Ada. De nouveaux ordres, monsieur? Peux-tu t'auto-détruire? Non, c'est impossible. Je suis certaine que mon créateur n'aspirait pas à ce que je devienne un tas de déchets. Ok, ça c'est moi, ça va. Cosworth, il est où? Eh oh, le robot, t'es où? J'avoue, j'ai mis ses meules là-dedans. Putain, j'en ai eu pas mal. Y'a beaucoup de monde là. T'es où ce stupide robot? Parce qu'il y a quelqu'un, on va dire, qui m'a. On va dire, posté un commentaire, Emmanuel Gaming. Il m'a dit que apparemment on pouvait modifier Ghost Work, enfin. Works, ou quand il se parle vraiment, c'est maintenant je l'ai pas vu en fait. Je me demande où il est en fait là. Sérieusement, il est où ce robot? Non, je crois que je vais laisser là, je crois. Parce que j'ai jamais touché. Ouais? Ouais? Encore une journée de la merde. Non, je pourrais choper, non, avec ça là. C'est incroyable que ces trucs. Non. Très assez-il. Mais ça va sans doute s'avérer intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a? Il est où le robot? C'est vrai, je sais pas où il est parti le robot. La culture pousse bien. J'ai mal au dos. T'as mal partout, toi. On était gamine, on chipait le pistolet de papa, on était lâché en ville. Macabélique. On peut tout réparer. Flingue, ordinateur, même les gens. Je ne crains qu'il ne soit pas là, sinon je le trouve depuis longtemps quand même. Je sais même pas comment je peux savoir où il est. Euh...
Sérieux, je suis perdu. Où ce foutu robot, quoi, sérieux. Oh, j'ai mis. Si on veut faire de plus haut dans ce boulot, il faut pas... Normalement, je crois que j'ai tout ce qu'il faut en place, normalement. Je crois que j'avais tout vidé avant de me déco. Ah non, ça j'ai ça là. Blastron et tout, tel ça. Je sais pas, bon, je sais pas si j'ai l'arme qui m'a dit les manuels gaming. Ok, je crois avoir trouvé l'arme. Alors. Lasertron récupéré. Oula. Wow, 50 rad. What the fuck? Fou. Mais ça envoie de la rad. Oh my god. Oh my god. Est-ce qu'on peut améliorer ce machin? Je vais voir ça tout de suite. Bah ça c'est qu'on peut pas l'améliorer. Elle fait combien de dégâts? Non, elle fait que 36 dégâts. Bon, je crois que ça, je vais la laisser ici en tant que trophée, hein, voilà. Voilà, j'ai posé un truc qui me servait à que dalle. J'ai pas encore vu Gréga. Il allait y faire un tour. Putain, moi, c'est mon fucking robot que je cherche tout à l'heure. Vous l'avez pas vu? Sérieux? Ah putain, il est où ce robot? J'ai perdu le robot. Je vais peut-être aller. Je sais même où y passer, quoi, c'est vrai. Je vais voir la station de service. À chaque fois qu'il y a une malle, on va dire le truc qui se remet à sa place, c'est comme ça en fait. Ok, bon, ben je sais pas où est passé ce robot. Je sais pas comment je pourrais le rechercher. Donc si quelqu'un le sait, ben qu'il me le dise en commentaire. Parce que perso, je sais pas où il est. Oh shit. En tout cas, j'ai mon robot Ada là. Je sais pas, je trouve qu'il est pas mal quand même ça, le mon robot, on va dire, en premier temps. Mais je pense que je le modifierai plus tard. Hein. Qu'est-ce que je vais faire alors? Voyons voir. Qu'est-ce que je vais faire, quête? Accès à l'entre, ok. Mais de toute façon, j'ai ça à faire, ok. Accéder à l'antre du mécaniste. Ok. On va faire ça. D'abord, je trouve que c'est. l'antre du mécaniste. Quoi, c'est là-bas? Ok. J'ai pas encore découvert cet endroit, sérieux? What? J'ai pas encore découvert cet endroit, ok. Ok. Bon, bah, on va avec le préparatoire. Ok. Nous y voilà. Y'a là. Alors c'est là. Ok. Ok, ok. What? Fuck. Aurora, non merci. Si vous trouvez des
pièces détachées, vous pouvez le savoir. Attends, tiens, c'est pas tu, tiens. Il y a un truc. Ok. Ça m'a l'air désert pour le quartier général de ce mécanicien, quand même. Ok, voilà. Centre de service après vente. Ah, ben voilà! La porte s'est ouverte. Oh, ça a l'air sinistre donc quoi. Allumons la lumière. Wow. En jugé par toute cette poussière, cela fait bien longtemps que personne n'est venu ici. J'en conçois très bien qu'il y a eu personne qui est passé par là. Et les pièces détachées de mécanique. Je crois que ça trouve ça. On va s'empresser de le ouvrir. Il y a des fucking pièges, ça c'est moins cool ça par contre. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait ça. Scanne ça. Ok. Wow. Nice la porte.
Combien de fermetures cette porte? Oh my god! Oh! Robot en approche détectée. Ouverture des portes de sécurité. Bonjour monsieur, soit pour un SAV. C'est pour amener ce robot là. Non, y'a personne. Allô, monsieur. Mais bon. Ok, d'accord. Voilà une pièce digne d'un musée. Ah ouais, je te fais pas dire. C'est un musée ambulant. Enfin, pas ambulant parce qu'il bouge pas, mais c'est un musée quand même. Le fruit mutant, putain, je veux pas savoir combien de temps il est là, ce fruit mutant. Sérieux. Combinaison mécanicien, ouais. J'adore ces putains de lasers. Est-ce que je peux les activer? Autodiagnostic terminé. C'est avec joie que je peux vous annoncer que je suis en excellent état. Je suppose qu'il y a un terminal pour désactiver tout ça. Ou pas. Parce que s'il y a ça, putain, what the fuck, je suis un peu con. Le mec, ah, parce qu'il y a un passage là. Ok, tac, là, ça ramène. Ok, ok, cigarette, ok. Un petit terminal. Ok. Faire ça. Les cadavres, il n'y a pas un boutoir. Hein. Ah si. Peut-être si j'arrive. Ça y est. Voilà. Commande de l'orge. Ok, l'orge de décontamination. Voilà, ça. C'est fait. Commande tourelle. Donc je suis passé par là, hein, sinon je me ferais chier. Un mètre. Je suis un mètre, ça va le faire. Allez, ouvrons ce machin. Par contre, je vais me faire chier à l'ouvrir. Ah, je me fais plus chier, hein. Moi je fais au hasard. Hein. Ah, franchement, je fais l'ouvrir comme je veux le machin. Putain, mais... Et voilà. Et voilà. Sérieux? C'est plus le robot.
C'est bon. Méchant ou gentil ? Pot de pacotille, ok. Joli. Oui, contre moi. Vous avez peut-être réussi à accéder à mon sanctuaire, mais ce ne sera pas suffisant si vous voulez me vaincre. Mange ça, le robot! Tu t'es activé, enfoiré! Et maintenant, tu veux crever! Votre destruction est imminente. Bonne chance de fête. Ah, c'est bon, ça me décontamine en plus. Attends, c'est un truc de décontamination en fait. Ah, t'es sérieux là? T'es sérieux, man? Putain. Ok. Ok. Je pense pas que je vais passer par là, un plumeau. Ok. Que fait un plumeau ici, bordel? La femme de ménage où le monsieur de ménage s'est fait écraser, quoi. C'est ignoble. Alors... Scanne ça. Scanne ça, allez. Son bagage, je vais rien comprendre. Ça c'est pas mal, pile poil c'est qu'il fallait. Pique!
capeux celui-là, il m'a l'air costaud, oh là là. Le mec il va mettre une mine nucléaire par terre. Mon autodiagnostic est bon. Possibilité de... Laissez passer. Elle est où la mine nucléaire en fait? J'ai pas des grenades... Ah si. Putain, elle a déjà désactivé. Je crois que ma bombe nucléaire a fait grandir éruption dans la glace. Putain, mais il est rapide lui! Oh my god! C'est quoi dans le robot? Hey! Oui? C'est bon. C'est bon. Carrément, il y a établi carrément ici, carrément. Alors... Ingénieur en chef. Ok, on va lire ça. Holland ingénieur en chef. Thomas Sarkin, ingénieur en chef. Pour l'instant, le planning est respecté concernant la dernière version du Cérébrobo. Le docteur Asante m'a assuré que le temps actif entre les effacements de mémoire a été grandement amélioré. Avec un peu de chance, cela s'avérera dans notre prochain test. Les ingénieurs en chef m'ont également informé que les derniers ajustements ont déjà été effectués sur la ligne d'assemblage. J'espère simplement qu'ils n'ont rien laissé au hasard cette fois-ci. À un échec du système. Sinon, je suis toujours inquiet à propos des sujets de test. Mais pour l'instant, nous en avons plus qu'il n'en faut, mais
Ce n'est pas comme si ces choses s'étaient poussées sur les arbres. Je vais changer quelques trucs avec le robot, je vais mettre toutes mes conneries que j'ai récoltées. Hey. C'est avec joie que vous aiderai si je... Voilà, tu m'as aidé. Ok, d'accord. Tâche qu'on l'entend. Va chier toi. Est-ce que j'ai de la drogue? La question. En tout cas, ça j'ai ça. Là, ça m'aidait. Oh ouais. You.
fait chier. Grande surprise. What? C'est quoi ce rampant là de robot là? Sérieux, un robot qui rampe comme ça, sérieux, j'ai jamais vu. C'est la toute première fois que je vois ça. On dirait un zombie mais version robot quoi. Enfin si, j'ai déjà vu dans Terminator mais... Je serais là comme ça. Ah ça, ça je crois que c'est ça tout à l'heure là. Pourquoi j'ai pris ça? Ah mais c'est... Putain. Sérieusement là? Sérieusement. Dépêche quand même. Allez, allez Ada. Je vais quand même changer des trucs à Ada et je reviens. Attention. Oui. Voilà. Ça, j'ai fait le plein de scotch là. Scanne ça. On va tuer une autre arme parce que normalement j'aurais plus de munitions ça et je serais bien embêté. On va tuer ça. Je ne sais pas ce qui va se passer un peu plus loin. Donc voilà, donc là ça fait moins de 40 minutes que l'épisode a commencé. Donc voilà, donc là je vous dis à plus tard pour la suite. Donc voilà, c'était Gun Show. Bye bye.